Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais découvrir l'équipe des Toffees d'Everton pour cette saison 2027-2028. Un classique, enfin David Seaman, le retour dans une équipe dédiée au... Comme Bendy, comme la saison dernière, Schlotterbeck, Moretti qui était là, un espoir, Castro, Kamavinga, Pedri, Wilshere, Tchouzeoui, Ibrahimovic et Kylian Mbappé. Remplaçant Tchouameni, Alonso, Gavi, Haaland, Moulin, Fekir, Foden. Et il y a quelques noms là. Voilà. On va lancer le match. On va aligner pour le déplacement à l'American, pardon, Express Stadium. Ouf, langue qui fourche. On va découvrir cette équipe de Brighton. Alors, pendant mon match, est-ce qu'il y a des gens connus au bataillon? Non. Même le remplaçant, Turner, je crois que je le connais. Voilà. Mais attention, moi je vais aligner l'équipe bis. Voilà. Avec Areola, Moulin, Shevchenko. Ben, ça n'a rien à voir avec l'attaquant de Milan. C'est Moretti, Alonso, Tchouameni, Gavi, Fekir, Lemina, Harry Kane et Ibrahim. Et on joue au niveau champion. Areola qui cette saison va prendre sa retraite. Une nouvelle saison. Areola à 34 ans prend sa retraite. Dommage. Rendez-vous dans quelques secondes pour le coup d'envoi. Nous sommes en direct des gradins de l'Amex Stadium, à quelques kilomètres de la plage de Brighton. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même Benjamin Da Silva. Et premier match dans cette nouvelle saison de Premier League pour ces deux équipes. Quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. Premier match de la saison pour les favoris. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très heureux de les voir enfin sur scène. C'est un véritable spectacle visuel cette équipe. Un peu de liberté pour Everton sur l'aile. Le centre, il y a du monde. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Il y a du monde, il y a quelques possibilités. Un face-à-face à négocier. Et magnifique début de match. Quel enchaînement de cette équipe B des Toffees qui mène sur le terrain de l'American Stadium. L'American Stadium, pardon, de Brighton. Super but collectif. Et on commence fort. 1-0 pour les Toffees. C'est pas vraiment du 1 contre 1. C'est plutôt une frappe imparable. Une frappe. But de Nabil Fekir. La force de la joie. Elle est insupérable. Le score est serré. L'euphorie s'élit sur le visage du coach. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et on en a entendu parler un peu partout avant ce match. Pas mal d'interrogations à son sujet. Cette rencontre contre son ancienne équipe, c'est vraiment l'histoire à l'intérieur de l'histoire de ce match. Quand un joueur de ce profil quitte un club, c'est forcément un moment bizarre pour le supporter. C'est un peu comme revoir ton ex avec quelqu'un d'autre. C'est Moretti. Gavi. Avec Moulin. C'est Moretti. Ah là là, la mauvaise passe. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Gavi.
Le ballon sur Aurélien Tchouaméni. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Bien défendu de la part de Tchevchenko. Un espoir recruté. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Et derrière Moulin qui concerne le corner. Allez, faut bien défendre, attention. Alors qu'on voit le but de Nabil Fekir jeune. Bien tiré dans la surface. Ouais, excellente intervention pour capter ce ballon et ne pas le laisser échapper. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est perdu. C'est contré. Pardon. Bonne progression dans le camp adverse. Attention! Magnifique but de Nabil Fekir. Ce sera 1-2 avec le milieu de terrain. Et c'est un doublé pour Nabil Fekir sur l'American Express Stadium sur cette pelouse. Brighton menait 2-0. Brighton qui, dans la vraie vie, est en Europa League dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Oh, l'a accroché. Et une frappe sous la barre imparable pour le gardien de Brighton, Neto Fils, qui mène 2-0 à l'extérieur. Parfait en début de championnat. Premier match de première ligue. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et il prend le dessus sur l'adversaire et peut-être le but pour revenir. Oui, dommage. Et là on sent le niveau champion, réduction d'écart des joueurs de Brighton. Ils ont bien joué, bonne conservation, peut-être passé, très bien défendu. Oui, but de Jamison qui trompe Alphonse Areola, futur donc retraité, c'est sa dernière saison au gardien français. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel, 1 minute en plus minimum. Il y a une bonne occasion là. Ouh, on a eu chaud. La façon de saisir là, j'ai très mal défendu. Et on a failli relancer Brighton. Heureusement, les Toffees ont toujours une longueur d'écart. Et Nabil Fekir, donc auteur doublé, il est là. Il est lié avec le danger. Il s'est marié avec le risque. Le début de la deuxième mi-temps et un but d'avance pour Everton. On se débarrasse du ballon là. Mais c'est pas possible de si mal défendre. Et Brighton qui sont réveillés. Et il va falloir un peu se bouger là. C'est équipé, je sens. Et c'est dommage, hein. On a fait un début de match idéal. Ah oui, le creux. Ça pardonne pas. Et Alphonse Areola battu pour la deuxième fois de ce match. Une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond de filet. Ah, le jeu reprend, le score est de parité, 2-2 avec Ibrahim, avec Moulin.
Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Là-dessus. Bonne intervention pour stopper la défense de la part d'Alfonso. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Ça va vers le point de pénalty. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Allez, on va faire des changements. Faire rentrer qui là ? À l'artillerie, hein ? À Land. Mbappé, il faut essayer de reprendre cet avantage. Alors, Rabiot. On a encore qui est Pedri, Sol, tu sais, on va rentrer. Un, deux, trois, quatre changements. Et origine. Est-ce qu'on fait entrer originalement, on va mettre Ibrahim Witch en milieu de terrain. Voilà. Allez, on relance sans se faire surprendre. T'as manqué de puissance et de conviction. Après des semaines de travail de la cellule de recrutement, le transfert est confirmé par l'Ajax. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Ah, le ballon change de propriétaire. C'est Moretti. Avec Moulin. Ah, ça joue en direction de Gabi. Voilà, le ballon est récupéré. Attention à cette action. Et le ballon passe. Allez, changement. Heureusement, ils sont mauvais en attaque. Et là, on subit un peu. Les changements vont faire du bien. Les entrées d'Ibrahim Wish, Mbappé, Haaland, Sol, Rabiot. Pour relancer les Toffees. Avec Ibrahim. Saoul. C'est une bonne séquence d'attaque placée. Mbappé peut-être pour reprendre. Avec Doha, j'ai manqué le sang. Le gardien. Alors, au programme des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec une rencontre de Première Ligue, Brighton à Liverpool. Deux équipes très intéressantes. Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant, effervescent même. Là, il dépose l'adversaire, là. Bonne compensation, là, bonne couverture. Le ballon est repris. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. La grosse intervention là. Le temps presse. Alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif. Ouais, très bonne intervention. Oh, il y a perdu sur Orlando. Le chrono qui arrive à son terme. Toujours ce score de parité ici. Les supporters n'en finissent plus de pousser. Quelle tension les amis. Insupportable, intenable. Et le contre est possible maintenant. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Et c'est une frappe. Ouais, pas de détente verticale pour aller chercher le ballon. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Oh, c'est contré. Superbe intervention, sans faute. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, dommage, avec Haaland, j'avais une belle balle. J'aurais dû peut-être frapper au lieu de tenter le dribble. Assez mal joué sur l'occasion d'Haaland, là, pour 3-2. Et c'est dommage.
C'est dommage. On va faire une interview. On va voir d'abord les buts. Ouais, Nabil Fekir qui fait un doublé. Alors, il y a ce match nul. Et dommage, on s'est fait remonter. Sur le plan individuel, quelle prestation! Tous les gestes sont beaux parce qu'ils sont simples, jamais compliqués. Toujours dans la bonne musique, le bon rythme. D'abord les temps forts avec les buts donc de Nabil Fekir pour les Toffees, cette très belle action collective, hop, coulissé, pied droit, plat du pied droit, Nabil Fekir, imparable, et son deuxième but qui est tout aussi superbe, voilà, lancé, crochet, enveloppé, pied droit, juste sous la transversale, imparable, on peut le revoir ce soir, voilà, on va faire l'interview. On va remonter le moral des troupes. Just a couple of questions for you. Pourquoi ne pas avoir laissé une chance à Kamavinga de faire ses débuts? Ben, on va faire tourner de toute façon. Ce n'était pas le bon match. Tout vient à point à qui s'y attendre. Il a besoin d'un temps d'arrêt. Voilà, on va lui remonter le moral. Fekir a disputé son premier match avec sa nouvelle équipe. Que pensez-vous de ses débuts impressionnants? Bon, on va essayer de répondre. Ah, pépite. Dernière question. Pourquoi n'avez-vous pas accordé une chance à Koulibaly d'être titulaire? Un peu vieux. Allez, ça devrait le motiver. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée.